Bonjour à tous. Привет, Мы были знакомы меньше года, когда Лан вдруг сказал, что он едет в Москву. Ну, здорово, конечно, но надо программу, надо что-то такое. Да ладно, погуляем так. Не, ну, неделю погуляем так, это же не дело. Надо что-то придумать. В общем, я занялась программой. Были люди, которые, друзья, которые ему не советовали активно это делать, опасно там, полиция кругом. И мамка больше всего боялась, что кушать будет нечего совсем бедному. Потому что, надо сказать, свекровь моя была у нас когда-то в эпоху застоя. И видели мы фотографии, очень симпатичная поездка. Но как-то ей больше всего запомнились наши пустые прилавки. В общем, я ей ссылки на рестораны французской кухни посылала. И рассказывала, что супермаркеты у нас большие и красивые. И холодильник-то у меня вообще не пустой тоже. Ну уж не знаю, убедила, нет. Но Лантон не пугливый, чемодан собрал, виз получил, да и приехал. В общем, программа действительно была насыщенной. Было все, и театры, и прогулки, и парки, и музеи в куча, и рестораны. А в то же время еще разгуляй работал. Там на входе такой медведь огромный такой стоит, здоровый, с балалайкой, по-моему, даже. И кухня русская, да, цыганы пели. А, и у цыган мы тоже на концерт ходили. В общем, все было, что можно было напихать за неделю. Единственное, что не посетили, так это музей войны 12-го года. И это потом. Не стала его пугать. В общем, возвращался он ночью усталый, но довольный. Забирала где-то его рано, часов, наверное, в 9 из отеля, а возвращались уже за полночь. В общем, все ему понравилось и даже сказал: приедешь, когда в Париж, я тебе сделаю такую же программу. А забегая вперед, можно сказать, что пройдет какое-то время, обещание свое он выполнит. Ну а пока смотрим Москву глазами француза. Вот как он ее увидел впервые. Il faut vouloir y aller. Beaucoup de difficultés administratives pour avoir un visa pour Moscou. Mais en passant par une société prestataire de services, c'est facile, c'est juste un peu d'argent. L'arrivée à Sheremetyevo, déjà une première surprise. La douane se passe tranquillement. Le douanier jette un petit œil sur mon passeport et tout va bien. La dernière porte s'ouvre, ouf! Marina est là à m'attendre, avec son joli sourire. Chou! Nous sortons. Wouah! C'est comme à Paris. Des taxis partout, des coups de klaxon et une odeur de gasoil. Dès les premiers kilomètres en taxi, c'est la première surprise. C'est les mêmes banlieues qu'autour de Paris. On y reconnaît les mêmes enseignes. Decathlon, Burger King, Kiabi, Auchan. Et toutes les marques automobiles. Même en alphabet russe, on arrive à bien les identifier. Le trafic sur l'autoroute est le même qu'à Paris. Il se densifie plus on arrive proche du centre. Le complexe où il y a l'hôtel à Ismaïlovo est géant. Ça a été construit dans les années 78 pour les Jeux Olympiques. Huit grands bâtiments. C'est propre. Là, on n'est pas du tout dépaysé, c'est vraiment comme à la maison. Le métro est le premier choc. La station Partisan de Kaya est très propre et très jolie, avec des décorations, des sculptures de partisans. Après, les rames sont propres. Il n'y a pas trop de monde parce qu'on est au mois d'août. Mais même un jeune homme se lève. Pour me céder sa place. Pourtant, je ne me trouve pas si vieux que ça. Direction la place rouge. Visite du Kremlin. C'est magnifique. Un peu de formalité pour rentrer, mais c'est normal dans tous les pays qui ont subi des attentats. Je ne voyais pas ça si grand et avec autant d'églises à l'intérieur. Quelques curiosités comme la cloche cassée ou le superbe canon dont les boulets ne rentrent pas dedans. Et il y a surtout la relève de la garde. On se croirait à Buckingham Palace.
superficie du Kremlin est énorme. Il y a 8 ou 9 églises ou cathédrales à l'intérieur. C'est la première fois que je rentre à l'intérieur d'une église orthodoxe et j'aime beaucoup les enluminures et la lumière et le style très ostentatoire. C'est beaucoup moins sévère que nos églises catholiques. Il y règne une atmosphère vraiment de tranquillité et de sérénité. Quand nous ressortons du Kremlin, nous visitons un peu les jardins d'Alexandre. C'est magnifique, des gens flânent, se promènent. Bien sûr, il y a quelques groupes de touristes chinois qui se regroupent derrière leur petit drapeau et qui piaillent gentiment. Donc on continue notre promenade en passant devant le manège et on remonte vers la place rouge. Pour aller à la place rouge, c'est facile, il suffit de suivre les flots de touristes. Sur la gauche, dans l'entrée, il y a une petite église qui deviendra mon église préférée à Moscou, c'est l'église de la Vierge de Kazan, qui est très 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 jolie. Plus loin, en descendant sur la droite, on a le mausolée de Lénine. Et bon, la place rouge, c'est vraiment quelque chose de formidable. Au fond, on a la cathédrale de Basile le Bienheureux. Mais partout, des restants d'échafaudages, car c'est toujours une place où il y a des commémorations, donc on met soit des stands pour que les gens s'installent et aussi des barrières pour que l'autre gens n'y rentre pas. Ça prend déjà une bonne partie de la matinée à visiter tout ça. Et quand nous ressortons de là, Marina m'emmène visiter le Goum, qui est un marché qui date du début du XXe siècle avec des grandes verrières. Et c'est un bâtiment digne des pavillons de Baltard à Paris, très éclairé. Mais là non plus, pas de dépaysement parce qu'on y retrouve toutes les grandes marques de luxe, Hermès, Cartier et plein d'autres, comme aux Galeries Lafayette à Paris. Vraiment, je n'ai pas beaucoup bougé pour l'instant. De cette première journée, je ne vois pas beaucoup de présence policière, du moins pas plus qu'à Paris après les attentats. Il n'y a pas non plus de queue devant les magasins aux vitrines austères dans lesquelles il n'y aurait rien. Brejnev est mort depuis un certain nombre d'années. Le centre-ville est très animé et la circulation en automobile n'a rien envie à Paris. Les Porsche Cayenne et les Mercedes sont nombreux, ça klaxonne comme chez nous. Cela ne va pas plus vite, il y a des bouchons partout. Il y a des groupes de touristes européens, c'est facile de reconnaître le français, il y en a toujours un qui râle. À Moscou comme à Paris, il y a beaucoup de lieux caractéristiques. Kolominskoe, c'est un superbe palais tout en bois au milieu d'un parc magnifique. Et vraiment un lieu incontournable. Tout comme Tsaritsino, superbe château construit pour Catherine II, mais qui le refusa et n'y habita jamais. En somme, mis à part les lieux emblématiques et typiques, attachés à Moscou, comme à Paris il y a la Tour Eiffel, je me trouve dans une ville mondialisée comme Berlin, Tokyo ou Paris. Moscou, c'est pareil. Les gens sont en jean et basket et tous ont des téléphones portables à la main. La pointe d'originalité, je la trouve dans la Arbat ancienne, une rue qui fait penser au quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris. C'est piétonnier et il y a de l'animation, de la musique et des boutiques très colorées. Juste à côté de mon hôtel, donc à Partizanskaya, un endroit très sympa à visiter. Le Kremlin d'Ismaïlovo. C'est une reconstitution pour touristes. En fait, un vrai bazar. On y trouve tous les souvenirs possibles dans une bonne ambiance, un peu comme on puce à Paris. Gorki, le long de la rivière, est superbe. Des animations partout. Cela va du cours de danse sur les quais au festival du film français en plein air, où nous avons fini de regarder un film sous-titré en français sous un chaud plaid en laine. Des gens à vélo, d'autres en patin à roulettes, des familles partout, des buvettes, de la musique dans tous les coins. Et incroyable, j'ai même trouvé des terrains de pétanque. Mais pas de pastis. C'est vraiment un bel endroit où il fait bon flâner, on peut y passer des heures. En sortant,
avant de retourner au métro, il y a un musée autour duquel sont exposées de nombreuses statues de Staline. Et il y en a beaucoup. En fin d'après-midi, une visite à Moscou City. Un îlot futuriste dans Moscou, plutôt classique. C'est entre la Défense à Paris et Dubaï. Des tours originales et gigantesques, des centres commerciaux ultra-modernes. On n'est plus du tout à Moscou. La soirée se termine par un repas à bord d'un bateau sur la Moskova. Là, on est retourné à Moscou. Un vrai bonheur. Tant il fait bon se promener à cette heure en sécurité dans Moscou. Le soir, en métro, on rentre. Pas de délinquance ici. Moment extraordinaire par beau temps, mais qui demande quand même d'avoir une bonne condition physique, c'est la visite du parc VD&Co. Alors ça veut dire parc des expositions, des réalisations de l'économie nationale. C'était la vitrine de l'Union soviétique. C'est pas loin de la tour de la télévision, qui est aussi un beau monument. L'entrée se fait par un arc de triomphe énorme, auréolé d'une statue colossale d'un couple de Kolkhoziens. C'est gigantesque. Des pavillons de toutes les anciennes républiques soviétiques, des fontaines géantes, la fontaine de l'amitié entre les peuples. Il y a beaucoup de choses à voir. Et à la sortie, le plus intéressant pour moi, c'était de prendre un verre de bon cognac au pavillon de l'Arménie. J'ignorais que le cognac était produit ailleurs qu'en France. En quittant ce parc, j'ai visité le musée de l'espace. Ce qui permet de mieux mesurer ce que fut l'aventure spatiale du départ avec Gagarine. Et on voit le courage qu'avaient ces gens d'aller dans des tout petits engins tourner autour de la Terre pendant une journée. Un autre endroit à ne pas louper, c'est le boulevard des Anneaux, ainsi que de faire une balade autour des étangs clairs. On profite d'une météo idéale. Et je vois que, tout comme à Paris, les vélos en libre-service sont à la mode. On peut flâner dans ces endroits, voir des joueurs d'échecs, exactement comme chez nous, des familles qui promènent leurs enfants, qui en patinette, qui en poussette, et des parents en roller, c'est très agréable. Cette semaine est passée très vite. Et tout comme Paris, Moscou regorge de curiosités. Et malgré un planning très dense, on se levait tôt, on marchait toute la journée, on prenait presque pas de temps pour manger le midi, je n'ai presque rien vu. En plus, ici, tout me plaît. Je suis dépaysé, juste ce qu'il faut, pas trop quand même. Je reviendrai, ça, c'est sûr. Et bientôt. À bientôt sur notre canal Tandem Franco-Russe. Знаете, что нужно делать? И мы скоро вернемся. Пока-пока.